partie sera moot? Oui, ça va, tu t'installes pas sur ma main, surtout, toi. T'as pas l'impression de m'emmerder? Hein? Vieille peau. Hein? Petit bébé. Attendez. Non, non, pas le micro. Qu'est-ce qu'on dit à chaque fois? Non, pas le micro. Allô, tout le monde, comment vous allez? Hop, le petit chat est au taquet là, hein? Comment ça va? Salut mon petit Martial, j'ai vu Charlotte passer. Hello Ayuki! Salut Flo, salut Kiara, comment vous allez? Comment ça va? On est lundi. Je suis perdue dans les jours. Salut Mira, salut une fille folle. Salut Orsokyo, comment vous allez? J'ai l'impression que j'ai pas stream depuis une semaine quoi. Non, non. 3 jours? Plus que 3 jours. Je sais plus. Je sais plus. Salut Alison! Ça fait un bon bang. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Je vous jure, elle était pas comme ça. Je parle, ça y est, hein. Bébé chat est obligé de parler. Hein, elle est obligée. The retour, tu m'as trop manqué. Oh, toi aussi, tu m'as manqué, ma petite poney! Oui, 3 jours, voilà, c'était bien ça, c'était bien ça. Salut Tiffen! C'était jeudi dernier. Oui, c'est ça. C'est ça parce que j'ai pas fait de live sur Minecraft. Donc je pense que c'est ça. Mais c'est pas vrai celle-là! Hein? Elle se balance. Non, par contre, tu vas te balancer. Je te connais. Elle va se balancer sur la souris. Elle va cliquer, elle va fermer le chat. Du coup, comment vous allez? J'ai tellement de choses à vous raconter. C'est passé tellement de choses. Bonjour. C'est plus le moment du rêve. Ah oui, c'est le pull que Guillaume m'a. Mon collègue, il m'a offert pour Noël. Moi, je lui ai offert un pull de Harry Potter. Et lui, il m'a offert celui-là. Qui a bien fait rire pas mal de personnes. Mais il est tellement bien. Franchement. Bonjour, il est trop cool. Alors la vie sociale, oh, ça fait du bien, t'as pas idée. Mais il faut que je vous raconte. Alors attendez, on va partir en live tranquillement, hein, parce que vous êtes un peu là pour ça. Vous savez que lundi, je me suis fait pirater la carte bancaire. Enfin, j'ai su que je m'étais fait pirater ma carte bancaire, parce que je me suis fait pirater ma carte bancaire le vendredi dernier. Bon, voilà, ma banque me dit qu'elle a bloqué certaines transactions. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'elle n'avait pas tout bloqué. En l'occurrence, 20 balles sur le bon coin. Et attention, préparez-vous, j'espère que vous êtes bien installés, parce que je vais pas vous le cacher que moi-même, j'étais... Oh mais j'ai chialé, hein. J'ai chialé. 863 euros sur un site de vente de fringues de luxe. 863 euros. Et non, ce n'est pas une blague, c'est bien la réalité. Et c'était pour moi! Voilà, alors là, vous dites, bon, bah voilà, hein. Sauf que je sais ce qui fait que ça... Je me suis fait pirater mon compte bancaire. En l'occurrence, c'est la faute de ceci. Alors là, tu me dis ton téléphone, hein, tu as payé sur ton téléphone et ça a merdé. Non, c'est le site OnePlus qui n'était pas sécurisé. Et donc, on a à peu près 20 000 clients qui se sont fait baiser nos cartes bancaires. Tout ça parce qu'ils ont fait les gros radas et qu'ils n'ont pas voulu mettre ce qu'on appelle un 3D Secure. C'est, vous savez, quand vous envoyez un code par la banque et des paiements sécurisés par des choux, par des trucs spécialisés. Ils ont fait les radas et donc du coup, je me suis fait pirater ma carte bancaire. Oh la vache, ah, tu peux le dire parce que j'étais, je te jure, j'étais, mais j'ai vu ça parce que voilà, je regardais mon compte en me disant, bon, je vois moins 30 euros, j'en avais plus de 800 euros parce qu'on était à la moitié du mois quand même. Je me suis dit, I have a problem. Ouais, je regarde, 800 balles, 863 balles, plus les bons coins, plus d'autres trucs, voilà, de ma vie. J'avais plus un rond, voilà, comment te dire ça? Eh, c'était la déprime. Et donc, OnePlus, étant donné que je ne suis absolument pas la seule, hein, voilà, on est nombreux, ont fait un communiqué en nous disant qu'ils étaient très très désolés. Alors, tu m'étonnes qu'ils sont désolés, moi, à ce prix-là, moi aussi, je serais désolée, hein. Et surtout que j'ai quand même payé 560 balles mon téléphone. Et en dédommagement, oui, parce que dans un cas comme ça, c'est normal, hein, que tu sois dédommagé, ils allaient nous offrir un service pour éviter les fraudes sur ton compte bancaire, donc des services qui regardent ton compte pour savoir s'il n'y a pas des choses anormales. Guys, comment te dire que ma banque m'a appelé 2 jours plus tard, hein, son travail, elle l'a fait, ma banque. J'ai fait opposition sur ma carte bancaire tout de suite, gna 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 gna. Et toi, tu m'offres un service parce que tu n'as pas su sécuriser ton site et c'est tout ce que tu vas m'offrir. Et là, j'ai dit, les gars, ça va pas le faire. Je profite pas de ma communauté, hein, je suis pas le genre à démarcher des gens en disant j'ai 16 000 abonnés, est-ce que ce serait possible de tester des produits? Mais alors là les gars,
À toutes les personnes qui me disent ah, je peux pas te faire de dons, j'aimerais bien te remercier, les gars, c'est le moment. Taguez OnePlus FR sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à envoyer des mails en leur mentionnant sur Twitter et sur Facebook mon pseudo, hein, pour qu'ils sachent un petit peu à qui ils doivent solutionner, hein, qui s'est fait baiser la gueule. Et si vous voulez envoyer des mails, il faudra mettre mon adresse professionnelle pour qu'ils renvoient un mail. Parce que je suis en service client, je sais très très bien comment ça se passe. Et en l'occurrence, tu ne vas pas me baiser la gueule à moi, tu vois. Et sûrement pas alors que vous avez merdé. Alors là, je me suis dit OnePlus, on va mettre les choses claires. Je veux au minimum tous les accessoires de leur site, hein, c'est le minimum syndical requis. Et au maximum un téléphone. Et croyez-moi, les gars, on va les faire chier. Je vous préviens, les gars. Tous les jours, je vais vous demander, est-ce que vous avez tagué OnePlus? On va les taguer jusqu'à ce qu'ils en aient tellement marre de voir mon putain de pseudo revenir dans leurs notifications, qu'ils vont pleurer leur race à chaque fois qu'ils verront mon pseudo, qu'ils vont me solutionner. Parce que c'est pas normal. Donc vous inquiétez pas, j'ai prévu de faire un vlog aux voitures, parce que vous savez, les vlogs aux voitures, c'est un peu les moments où je suis un peu salée, hein, que j'ai un peu la rage, et je me suis dit, je vais faire un vlog voiture. Et je vous expliquerai tout ça, mais si vous avez déjà envie de commencer, alors niquer la gueule à ces gros enfoirés, n'hésitez pas. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Là, on parle quand même de quelque chose qui m'a un peu coûté 900 balles. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Comme ma carte bancaire ne passait pas sur leur site, j'ai pris la carte bancaire de Chris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait pirater aussi. Opposition sur les deux. On se retrouve actuellement à ne plus pouvoir utiliser nos deux cartes bancaires. J'ai pas de liquide sur moi. On n'a qu'une seule carte bancaire parce que bah, on n'en a qu'une. Voilà, on se retrouve à plus pouvoir manger, à plus pouvoir rien faire. Donc c'est-à-dire que là, heureusement que les voitures, elles ont du plein. Que pour ma part. Merci, mon petit Martial! Ils vont tous leur baiser la gueule. Ah putain, non mais. C'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. Je me retrouve avec deux cartes bancaires. On peut plus rien faire là. C'est-à-dire qu'on a un problème sur une voiture où il faut qu'on paye. On ne peut pas. Ni l'un ni l'autre en fait. Parce qu'ils ont merdé! Et c'est absolument pas normal! Donc non, non, les gars, non! Merci mon petit Martial, je vais mettre la description à jour, mais non, je suis désolée, tu t'appelles OnePlus, je sais pas combien tu brasses par an, et t'as voulu faire ta radasse pour pas dépenser un peu plus pour avoir des trucs sécurisés. A priori, c'était un truc super simple en plus à hacker. Non, je suis désolée, mais tu vas raquer, mon gars, tu vas raquer. Et c'est pas normal que tu nous offres un vieux service de merde que ma banque fait déjà très très bien en plus. Donc non! Non, c'est mort! Donc là, on va aller. Sortons les fourches, on va tuer OnePlus. Non, mais je vais être leur pire cauchemar. Parce que je sais comment ça se passe en service client. Si vous voulez vraiment qu'un service client vous solutionne, il faut les harceler toute votre life pour qu'ils finissent par en avoir ras-le-cul, en fait. Par en avoir ras-le-cul et qui... En fait, c'est un peu à celui qui sera le plus long et le plus chiant à faire. Et en tout cas, moi, pour le service client pour lequel je travaille, je sais qu'au bout d'un moment, on solutionne. Et alors là, je vais pas me gêner. J'ai une communauté. Et là, je sais que je le fais pas souvent de mettre en avant ma communauté ou quoi. Mais alors là, je vais pas me gêner. Je vous préviens, les gars. Tous les jours, il y aura des petits devoirs à faire. Hein. Est-ce que vous avez tagué OnePlus sur les réseaux sociaux? Pour que tu partages un kebab avec Christo. Mais on peut pas! On peut pas, Théo! On a plus de carte bancaire! On peut plus rien faire! Si j'ai envie d'un kebab, mon kebab en fait à moi, il n'est pas sur Alloresto ou des trucs comme ça. Je ne peux même pas payer par PayPal, je peux plus rien faire. Ma carte elle est bloquée. Heureusement qu'on a des pâtes et qu'on avait fait les courses avant parce qu'on était dans la merde. Ils nous ont foutu dans la merde et c'est pas normal. Donc non, 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 non. Moi je vais pas me laisser faire. On va les faire chier les gars. On va les faire chier. C'est pas normal. Harcèlement, c'est parti. Je vous préviens, chaque truc. Partage et autres, je relike, je tweet, je retweet, je like, je fais tout, les gars, je fais tout. On va être leur pire cauchemar. Ils vont tellement en avoir marre de moi qu'ils seront obligés, ils seront obligés. C'est sûr, c'est pas normal. On ne peut pas rester comme ça. Tout le monde est genre, ouais, harcèlement! Bon, là, c'est un harcèlement pour une entreprise qui est en tort. Je ne fais pas ça pour avoir des trucs en plus, tu vois. Non, non, là, c'est vraiment eux qui ont merdé et. Au prix que m'a coûté mon téléphone, soit 560 euros, je ne vais absolument pas me gêner en fait pour récupérer ce qui m'appartient de droit. Parce que la meuf, elle m'a quand même dit, faut faire opposition sur votre carte et votre banque vous remboursera. Alors déjà, faut porter plainte en plus de faire opposition. Et ensuite, c'est pas normal en fait, c'est pas normal, absolument pas. Je vais les baiser leur, on va leur niquer la gueule. Mais ouais!
Ah, merci ma Charlotte. Mais non, mais c'est pas normal, c'est... Tu vois, c'est... Non! 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 On va leur baiser la gueule. Je vais les taguer après live. Merci ma petite loulou. Tu as vraiment pas de chance. Ah non, mais je vous dis, ce mois de janvier, c'était les montagnes russes. Tu as un CDI, tu te fais pirater ta carte, tu n'as plus de sous, vous n'avez plus de carte bancaire. C'est les deux. Et en plus, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais pas donné la bonne adresse à ma banque. J'avais laissé l'ancienne. Donc là, il y a peut-être ma carte bancaire avec son nouveau code qui est dans une boîte aux lettres, dans l'ancienne, dans mon ancien appart. Je me dis, j'espère que s'il y a un locataire, j'espère juste qu'il n'a pas ouvert les trucs. Auquel cas, faudrait que je fasse deuxièmement opposition parce que je ne fais absolument pas confiance aux inconnus, hein, quand même. Un bins sans nom, les gars, je n'en peux plus. J'ai envie de pleurer quand je vois les tons. Mais c'est pas grave, Ayuki! Du coup, ah non, 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 je vous mettrai si vous voulez l'arrobase de OnePlus. En fait, c'est OnePlusFR, c'est simple. Sur Twitter, sur Facebook, c'est la même chose. Et non. Non, 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 ça va très très mal se passer. Oh oui. Oh yeah. Et nous, on va partir travailler. Du coup, mes Sims, voilà. Ouvert depuis 190 heures. Oh, bah, ça me paraît raisonnable. Merci à Martial et OnePlus. Et Orsokyo. Ouais, c'est ça, c'est OnePlus-FR. Merci les gars, si jamais vous le faites. Voilà. Allez, je vous ferai des énormes bisous. Point fort, revenez plus tard. Point amélioré, revenez plus tard. What the fuck? 20... Attends, total de la travail, la période de travail, 190 heures, 24 clients servis. D'accord. C'est pas énorme, hein. Fermé actuellement. Bon, on va l'ouvrir, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Masramoud? Tu as entendu du bruit en haut? Est-ce que ce serait pas Twitos, le boudin? On va amener la petite Laura. Paramètres de la clinique vétérinaire. Hop. Amener Laura ici, voilà. Hop là, c'est bon. Laura, par contre, tu étais un peu à poil. Alors, attendez, mettre un uniforme de vétérinaire, voilà. C'est bon, la clinique elle est ouverte normalement, ouverte depuis 0 heure. Très bien. J'ai pas Twitter ni Facebook. Tu peux leur envoyer un mail, hein, tu vas sur leur site, tu verras, il y a des trucs comme contactez-nous. Tu peux très bien leur envoyer un mail. Les titres sont en anglais, mais je te rassure, ils parlent en français. Et je suis avec une meuf qui m'a dit bonjour monsieur. J'ai commencé, j'ai fait. Alors non, moi c'est madame, déjà. Hein. Tu vas te calmer direct, Maurice. On se connaît pas encore et déjà, tu commences mal. C'est pas grave si vous n'avez pas les réseaux sociaux, n'hésitez pas à envoyer des mails, hein, c'est pareil. Hein. On s'en fout hein, de la catégorie, hein, tant que c'est pour les niquer leur gueule. Faut en fait les spammer tellement qu'à la fin. Tu sais, ils vont répondre une, deux fois et à la fin, ils vont revoir tout le temps la même adresse mail. En disant, cette personne, elle attend un geste commercial, elle attend un nouveau téléphone parce que vous avez fait bloquer sa carte. Hein? Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Il faut pas hésiter. Hein? Faut pas hésiter. Oh là, petit chat, il est pas bien là. Hein? Traitement. Non, pas traitement. Prendre la température. Ma petite a quelque chose qui ne va pas. Oh, bichette, peu cher. T'inquiète pas, on va te nettoyer. Hein? Hop! Écoutez la respiration. Ma banque vient de fermer mon compte jeune et m'a transféré toute ma thune sur un nouveau compte qui est imposable, qui ne rapporte rien sans demander de mon avis. Je dois aller gueuler demain, joie. Ah, bah si vous voulez, on spam aussi pour Charlotte, hein, on est parti. On va faire au calme, apaiser, calmer. Voilà. Alors, clic-clic. Calmer, apaiser l'animal, examen, inspecter la fourrure. La respiration, hop, voilà. Ah non, parce que en plus j'ai appelé deux fois ma banque, parce que du coup la deuxième fois quand j'ai vu les virements et tout, les hein, à 800 balles, enfin 900 balles pratiquement, hein, à 20 euros près. Et le mec, donc voilà, je termine la conversation, il me dit en fait j'ai vu que vous avez un livret A chez nous, parce que moi c'est une banque sur internet et mes parents ils m'ont ouvert un compte là-dessus parce qu'ils étaient dessus et du coup ils m'avaient ouvert un livret A en même temps. Donc je fais oui, il fait vous serez pas intéressé par un compte un livret jeune? Et là j'ai fait absolument pas. Je venais de me faire baiser 900 balles et le mec pense que je vais ouvrir un livret jeune. Non mais ça aussi, il faudrait qu'on en parle. Hein. J'étais genre mais c'est pas vrai, mais il vient pas de dire ce que je viens de dire. Il vient pas de dire ce qu'il vient de dire. J'ai fait alors non, absolument pas. Il fait très bien, je note que vous avez pas envie. J'ai fait oui. Hein. Connard, fils de pute. J'ai fait non mais c'est pas vrai, ils sont tous donnés le mot. Et par contre, c'est bizarre que elle arrive pas à calmer le chat. Petit chat. Clicli. En bonne santé, piqûre préventive, c'est bon. Allez Laura, hein.
Ça diminue pas beaucoup, hein, calmer. Bénéfice de service. Ah, génial, on est au moins 25. Ils nous emmerdent avec leur livret. Mais tellement! Mais tellement! On s'en fout de ton livret jeune, ok? Je serai plus jeune bientôt. Alors non, mon livret A, il me va très bien. Hein. Je m'en bats les reins. Fous-moi la paix. Examen terminé. Bah, il reste plus grand-chose, hein. C'est bizarre qu'elle ait rien découvert, par contre, Laura. C'est pas trop son genre. Mmh. OnePlus, on compte sur toi pour avoir des réponses avant la fin de la semaine. Ils m'ont pas répondu sur Twitter. Sur Facebook, ils m'ont répondu. Donc vous pouvez aller en message privé, ils répondent. Ils m'ont envoyé un... Ils m'ont dit, ah, regardez le communiqué, gnagnagna, gnagnagna. Oh, t'inquiète, j'ai bien lu ton communiqué. J'ai bien vu que tu nous baisais la gueule. C'est bizarre qu'elle trouve rien. Je veux dire, normalement, là, la température, ça t'aide à trouver tout. Bah, Josie, qu'est-ce pas ça, Beletta? Oh! Hello, darling! Accueillir un patient. Voilà, Cliquet va bosser. Je crois qu'il va falloir faire au pif. Hein. Faire une piqûre. Ah, d'accord. Bon, on va faire ça, du coup. Sramout. En plus, elle est là, elle est devant. Hein. Vous la voyez pas, mais elle est devant. Hein. Vieille peau. Ah, la belette! Laura a fini d'examiner le chat. Très bien. Allez, Sramout. Oh! Ces petits FDP OnePlus quand même. Mais oui! Je veux dire, tu peux merder, hein, ça m'aurait pas. Je veux dire, voilà, ça arrive à tout le monde. Enfin, non, quand c'est coûte 900 balles, ça arrive pas à tout le monde. Mais enfin, ça m'aurait pas, si vous voulez, je l'aurais beaucoup, beaucoup mieux pris s'il y avait eu un geste commercial à la hauteur. Parce que tu peux merder en tant qu'entreprise et voilà, te rattraper après. Hein. Commencer, il n'y a pas d'animaux malades. Ah mince, j'ai pas encore accueilli le. J'ai pas encore accueilli le patient. Désolée, madame. Et la carole, elle a enfin fini. Il était temps, hein. Hop. Hop. Hop, je n'ai jamais vu démon agir de la sorte. Oh, vous inquiétez pas, monsieur. Hein. Oh, Sramout, elle est amoureuse, hein. Allez. Pourquoi les filles, elles prennent toujours le dégueulasse et Caroline, cette grosse vache, elle a toujours le meilleur, là. Elle fout rien, elle, et tout le temps. Laura, tu fais bonnet Z ou c'est comment? Ah, bah, c'est toutes les... Bah, Clicli, c'est les mêmes, hein. Les mêmes boobs. Calmé. Hop, on va commencer parce qu'il est vraiment vénère un peu. Sosol. Caro, toujours au silence, c'est affreux. Tu t'es fait prendre 900 euros, je comprends rien. On regarde le début du live parce que j'ai pas envie non plus de répéter, sachant que je vais en faire une vidéo, hein. Je l'ai un peu répété à tout le monde du coup samedi soir, hein, parce qu'il y en a qui n'étaient pas au courant, Cette histoire, ça fait 15 fois que je la raconte. Ça me fait toujours autant mal au cœur à chaque fois que je l'écoute. Hein. Je t'ai toujours dit qu'il faut la brûler. Bon, on va éviter de la brûler quand même, hein. J'ai pas envie de finir en tôle pour elle. Mais c'est vrai qu'elle bouge pas son gros cul quand même, hein. Allez, hein. Move your ass, bitches. L'eau. Oh punaise, la caca qui appelle. Ah non, par contre, moi, j'aimerais bien plutôt des messieurs. Oui. Examen, écoutez le cœur. Allez! Clito. Clitoette? Pourquoi elle n'arrive pas? Embrasser les mains. D'accord, très bien. Pourquoi le petit chat, il peut pas aller sur le... Commencer l'examen. Il n'y a pas d'animaux malades sur le terrain. Oh, fuck. Accueillir un patient. Ça va pas marcher. Oh, on peut passer par le chat. Ok, on va passer par le chat. Faut lui payer une formation. Mais on n'arrête pas de lui payer une formation à celle-là. Je passe ma vie à lui payer des formations. Heureusement que j'ai plutôt les deux sœurs qui bossent. Hein. L'eau. Oh punaise, il est pas content, il est pas content. Calmez l'animal. Calm down, petit. Voilà, lit, c'est bon. Ça part. Regardez, là. Elle a raté sa vocation, hein, la Caro, ouais, c'est clair. Je regarde quand la Clicli elle est bonne là pour faire le petit examen. Hop, examen, prendre la température, examen, inspecter les oreilles. Examen. Écoutez la respiration. C'est vrai que cette semaine n'avait pas si bien commencé. Ah ouais, oui, hein. Moi je vous l'ai dit en plus à chaque fois. Hein. J'ai une semaine qui commence comme ça, je sais qu'elle va être maridique. Et vous savez quoi, c'est toujours comme ça. Bon, je le sais. Ah ouais, ça va pas louper.
C'est bon, mail envoyé. Nat. Ma petite Nat, je te fais un énorme bisou. Merci beaucoup. I love you. Pas super pour moi non plus cette semaine. J'ai acheté les Sims chien et chat et ça a fait planter l'ordi de mes parents. Puis j'ai relancé la boum, j'ai allumé les Sims, plus rien, plus de pack. Oh. Après, peut-être que ton ordi assume pas des masses, tu sais. C'est peut-être un ordinateur un peu fatigué, un peu vieux peut-être. Cli, elle a trouvé pratiquement tout. Cli, elle est tranquille. Intervention des gens en cours. Alors non, je voudrais juste examiner. Hop, on va faire ça. L'eau, elle a trouvé. Traitement. Cône de la honte. Je crois qu'il faudra le mettre, le cône de la honte. Voilà. Elle a trouvé. Traitement. Hop, essence de placebo. Voilà. Laura, est-ce que tu as trouvé? Ah, je sais pas ce qu'elle fout à chaque fois, Laura, mais les animaux, ils finissent toujours vraiment, vraiment pas contents. Et combien de sa compétence vétérinaire? 6. C'est pas encore la joie. Hein. Oh, il y a Tanguinou. Laura, c'est bon là? Hop, Virgule a l'air un peu malade. Oh non, pas Virgule! J'aime beaucoup Virgule. Je le trouve trop marrant. Allez. Pourquoi il est pas content, dame-dame, là? C'est parce qu'il est avec Caro. Ah oui, c'est Caro qui s'est occupé de lui aussi. Bah non, c'est pourtant démon, je comprends pas. Alors, examen. Papate. Prendre température. Hop là, c'est bon! Je viens de voir la photo de Twitter de OnePlus, smartphone haut de gamme au rapport qualité-prix toujours imbattable. Ah bah la fraude imbattable. Non mais c'est trop ça. Mais après en soi, le téléphone coûte pas cher pour ce que c'est. Franchement, c'est du niveau d'iPhone quoi, tu vois. J'ai payé 2 fois moins cher. Mais je veux dire, j'aurais pu le payer en plus moins cher ce téléphone parce qu'il y a un site qui s'appelle Gearbest qui revend des OnePlus. Neuf, hein. Neuf, neuf, hein, pas reconditionné ni rien. Pour 300 balles au lieu de 560. Et moi je me suis dit non, au moins OnePlus ils ont SAV parce que Gearbest ils en ont pas et tu peux pas le renvoyer à OnePlus. Je me suis dit bon écoute, voilà, paye un peu plus pour avoir plus de services. Putain, j'aurais pris sur Gearbest, j'aurais payé moins cher, j'aurais pas eu de fraude et on serait pas en train d'essayer de me niquer la gueule. J'ai fait ah non, ah non, non, non. Je fais les gars, vous savez pas dans quoi vous engagez avec moi. Non mais la Caro là, elle se bouge le cul celle-là. Regarde pas ma tweetos. Prends Kitty. Kitty elle est méchante. Honnêtement quand mon téléphone périt j'abandonne les iPhones. Bah c'est cher et maintenant t'as vraiment des très bons téléphones. Et moi ce qui me dégoûte le plus c'est que maintenant il y a le Honor View 10 qui est sorti. Et en gros c'est même qualité que OnePlus, il est à 500 euros le téléphone. Et moi je travaille, plus pour longtemps, mais je travaille dans un service client d'une grande enseigne d'électroménager. Donc on a une petite remise personnelle qui aurait pu me permettre de l'avoir sans doute moins cher. Voilà. Pour te dire que le seum est présent. Le seum est présent, j'ai dépassé mon droit de rétractation. Oh là, Twitos, elle est vénère, la Twitos, hein. Hop. Allez, Kitty, elle est pas bien. Regardez la vieille Twitos. Genre... Qu'est-ce qui est pas ça? Hop, examen. Examiner la gueule. Voilà. Clic-clic. Bon, Caro, là, tu te bouges le fessier, là. Mal à l'aise. La litière, elle pue la mort. Très bien. Y a Mélissa! Karma is bitch. Oh, tu n'as pas idée, ma petite Mélissa. Karma, il est présent. Je sais pas ce que je lui ai fait, mais je lui ai rentré dedans. Il va pas comprendre. Alors, Laura. Je vais calmer le patient là. Enfin, Twitos, en l'occurrence. Parce qu'il est pas très bien. Oh non, j'ai pas fait inspecter la fourrure. C'était un peu le principal. Clee, elle va tellement vite. Elle est au-dessus de tout le monde. Caro, elle n'a même pas encore accueilli le chien que Laura elle a déjà fait la moitié des examens. Je viens de regarder le début du live, la galère, la banque va te rembourser l'argent fraudé. Ah oui, après les banques, ils ont des assurances pour ça. Hein. Mais il fallait déposer plainte, évidemment. Oui, parce que je vous ai pas dit, hein. À Croix, c'est un peu des feignasses, c'est vraiment des fonctionnaires. C'est 9h midi. Bienvenue, Éléonore! C'est 9h midi, 14h-17h,
Et voilà, hein, démerde-toi après pour déposer plainte. Du coup, là, j'ai dû modifier mes horaires pour finir à 15h30, pour être un peu large, pour avoir le temps. Et au final, voilà, je viens de faire le dépôt de plainte. Là, j'ai envoyé tous mes documents à ma banque, parce que l'avantage, c'est que comme c'est une banque sur Internet, j'envoie tout par mail. Ils vont traiter ça sous 3 jours. J'ai... Bienvenue, Sarah! J'ai ma collègue qui m'a dit que normalement, une fois qu'ils ont les documents, ils sont obligés de te les envoyer sous 48 heures. Donc 48 heures, ça va, on est large. Je vais me faire rembourser bientôt en plus, là, j'ai mon salaire qui tombe, donc ça va faire plaisir aussi, ça. Mais bon, comment te dire que bon, j'avais pas trop prévu ça, hein. Ça faisait pas partie de mes plans en 2018. Non, pas calmé, pas calmé. Pardon, madame. Team Huawei. Bah franchement, j'ai hésité avec Huawei et j'avoue que je suis un peu deg, tu vois. Il y a un problème avec le GIF, je sais, mais j'ai pas le temps de... De toute façon, en ce moment, j'ai le temps de rien faire. Mais je finis mon contrat vendredi soir à 22h. Donc, ça va être cool, ça va être cool. Après, je vais pouvoir un peu gérer ma chaîne YouTube. À faire d'autres choses aussi, ça va être merveilleux. Alors, inspecter la fourrure, prendre la température, inspecter les oreilles. Et après, on va empêcher l'arrivée de nouvelles personnes parce que la Caro, elle bosse jamais. Traitement. Faire une piqûre. Voilà. Clicli. Elle en est où? Avec Nox. Elle va trouver. It's good. Comme ça, ce sera pas la Caro là qui va terminer. Courage, courage. Oh, punaise. Ça annonce la couleur pour 2018. Non, je pense très très fortement. Oh non, le chien, il bouffe. Putain, c'est dégueulasse. Vous êtes déjà en train d'examiner un patient. C'est bon? Accueillir. Non, franchement, 2018 c'est mon année, les gars. C'est mon année, c'est l'année où j'ai quand même chopé un CDI 10 jours après, où je vais publier mon livre, où je vais sortir ma ligne de vêtements, où je vais exposer sur YouTube. C'est mon année. Et par contre, petite ne marche pas sur le clavier. Non, 2018 c'est mon année. C'est juste que je pense que ça va être tellement mon année que le destin m'envoie un peu des coups dans la gueule, tu vois. Pour que je prenne pas trop la conf. C'est tout. Mais on y croit. Moi j'y crois, c'est mon année, 2018. C'est la mienne. Alors. Ce sont toujours les papates rouges. Voilà. Cli, c'est bon, c'est géré. Hop, je vais les faire manger un peu, ouvrir. Manger petit biscuit. Parce qu'après, il va falloir draguer du mec. Hop. Alors, Cli, c'est bon. Calmez le pa... Oh, punaise, calmez le patient. Le patient va pas bien, là. Hein. Hop. Et après, elle va gérer Caroline. Payer une formation. Parce qu'on l'a déjà, en plus, on l'a déjà augmenté. Ah, formation standard. T'as nous coûte un bras, cette conne. Hein. Punaise. Hop. J'ai l'impression que tu gagnes très peu avec le centre vétérinaire. Franchement, on a commencé à zéro. Et on est à 2430. Si, franchement, ça rapporte. Ça rapporte, mais c'est juste que j'ai tendance à oublier un peu l'heure qui tourne. Et du coup, ça met un peu plus de temps qu'un truc normal, quoi. Hop. Merci, j'ai apprécié que vous investissiez mon avenir ici. Ah bah, t'as intérêt à bien bosser, feignasse, hein. T'es pas payé à rien foutre. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Je viens de les tweeter aussi, ma belle. Oh, merci, ma petite Séverine. Ça me fait méga plaisir. Merci beaucoup. Hop. Voilà. Allez, elle est dans le mal. Pipi. On va manger un bout. Et on va fermer. Voilà. Rapport, quel est tes prix? Niveau de stress et ambiance? Oh, l'ambiance, c'est vraiment pas le truc que je fais en priorité, moi. Voilà. Elle est où la cli-cli là? Clicli, elle va toujours bien, cette meuf, elle me fait marrer. Hein. Toujours la pêche, toujours la patate. Hop, les filles, elles mangent ensemble. Après, il va être 23h, l'heure de sortir en boîte. Tu gagnes combien d'argent sur chien et chat? Bah, je sais pas, franchement, parce que tu vois, je crois qu'on a ouvert la clinique, il devait être 10, 11h du matin. On a fini à 21h, on a gagné 2530. C'est les bénéfices de la journée, ça.
Donc franchement, ça va. On est vraiment pas dégueu, je trouve. Bon, elles ont envie de se coucher, mais... It's not possible, les girls. Non, on va pas faire ça. On va faire... Allez. Avec Laura, est-ce qu'on n'inviterait pas Gringrin? C'était déjà... On s'était dit qui? Alors, attends. Grincheux, c'était Clicli. Et Dormeur, c'était pour la Mistinguette. Voilà. On va amener les deux ensemble. Ça fait plaisir de te revoir en live. Vous m'avez manqué! Vous m'avez tellement manqué aussi! C'est vrai que ça m'a manqué aussi, je vais pas vous le cacher. Ça fait bizarre, hein, c'était pas énorme. Hier, j'avais envie de live et en même temps, j'avais tellement envie de rien faire que je n'ai rien fait. Genre vraiment, j'ai maté la fin de la série de Teen Wolf. J'ai regardé la folle histoire de Max et Léon, donc les acteurs du Palma Show. J'ai sorti le planning. C'est tout ce que j'ai fait, je crois. J'ai rien fait, j'ai glandouillé. Et ça fait un bien fou. Ça fait, je pense que ça faisait bah, depuis que je suis rentrée dans mon nouveau taf. Donc, au moins 6 mois que je n'avais pas fait une journée où je ne faisais littéralement rien en fait. Je glandais. Et ben bah, ça fait un putain de bien fou. Et là, ça va, je me sens mieux. Je suis bien. Je suis ok. Donc, ouais, hier, j'avais pas envie de. J'avais juste pas envie de me lever, tu vois, pour lancer le live. Je savais pas sur quoi je voulais live aussi, donc j'ai rien fait. Hello Emma, comment tu vas? Allez, qui a verrouillé la porte? Bah, c'est sans doute toi. Oh non, c'était le karaoké. Oh, je voulais pas trop le karaoké, en fait. Tenue, changer de tenue. Bon, on va pas l'emballer comme ça, le gringrin. On va sortir. Bon, peut-être pas la petite robe, il va prendre peur. Voilà, la petite robe un peu moulante, un peu sexy lady. Voilà. La Laura, elle est à côté de sa soeur qui est vachement en chair et elle qui est toute fine, c'est trop marrant. Allez, changer de tenue. On va lui mettre une petite tenue comme ça, là. Sexy Lady aussi, hein, la Mistinguette. Hein. On va voir pour inviter à venir sur le terrain actuel. Dormeur, Dormito. Where are you? Ouais, ça s'entend bien avec Damien et Tanguy quand même. Attends, je trouve plus Dormeur. Oh merde! Oh, je crois qu'ils me l'ont encore enlevé des connaissances. Ils sont chiants quand ils font ça. Oh non! J'ai plus dormeur! Non! Aidez! Bon, écoutez, pendant ce temps, elle va chanter. Chanter en solo house pour ton amour. Dormeur! Where are you, lady? Oh là, ça va être galère s'il faut qu'on retrouve dormeur. Tu as vu la bande-annonce du premier trimestre? Le prochain pack devrait être dans le style destination aventure. Ouais, j'ai vu, j'ai vu! C'était pas celui que je préférais, je m'attendais un peu mieux, quoi. Ou là, ça prend de la poitrine un petit peu. Ça peut aller beaucoup de travail pour demain et toi? Oh, tu sais, Anne, tu regarderas le début du live, tu comprendras un peu plus de trucs, je crois. Mais bon, disons que la semaine dernière était. T'es mouvementée, hein, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il se passe quelque chose de normal? Je pense que de demander 4 fois comment se passe ta journée. On va faire une petite conversation profonde. Voilà. Et ils sont vachement potes là, le truc est bien monté. Voilà. Bon, l'eau, faut qu'on arrive à retrouver Dormeur. Oh, c'est que des gens qu'on connaît pas, c'est que des vieux bots. C'est qui ça? Guillaume. Je connais pas moi Guillaume. Ils s'entendent trop bien là, regardez, ils sont devenus trop potes et tout, genre. Non mais tu te rends compte de ce qu'elle a fait là? Elle a maté mes seins! Ça dragouille totalement. Quel genre de pack voulais-tu? Bah plus un truc. Je sais pas les saisons, parce qu'à mon avis, les saisons, moi je le sens bien que ça va être un add-on. Mais je voyais plus un truc avec des plages, tu vois. Moi, en truc de vacances, un peu, je voyais plus plage et montagne, en fait. C'était ce que j'aurais préféré avoir, en fait, dans les vacances, un peu. Style un peu vacances, parce que le destination aventure, je pense qu'ils iront quand ils iront en vacances, tu sais. Donc, du coup, ça me dégoûte un peu, parce que, bah, c'était. Moi, j'aurais voulu les montagnes et tout, qu'ils fassent du ski, genre tout, tout. Ça aurait été badass, ça aurait été trop cool. Eh, mais il y a joyeux! Bon, écoute. Je ne trouve pas Dormito.
Peut-être qu'en passant par joyeux, on y arriverait un peu mieux. Donc ouais, non, je sais pas, ce pack-là, c'est pas celui qui m'intéresse. En plus, on en avait un dans les Sims 2, un peu comme ça. Et j'y jouais pas des masses, quoi. Moi, les vacances avec les Sims, en fait, c'est vite redondant, quoi, je trouve. Puis quand tes Sims sont pas riches, c'est tout de suite moins intéressant. Ok. L'autre, il est en train de manger. Et il regarde l'autre manger. D'accord. N'assurez pas dormeur. Dormeur! Where are you, boy? Clicky, elle se lance. Wouh! Bon, ça va, grincheux. On s'est vachement bien rapprochés. Elle est en train de picoler au bas. Discuter, complimenter l'apparence. Il a pas l'air ouf avec nous. Moi j'ai hâte à un pack sorcière et on a d'un université. Le pack sorcière, je sais pas si on avait sur les Sims 2 ou quelqu'un, moi je l'avais pas. J'ai jamais joué à celui-là, donc j'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. Parce que je sais qu'il y en avait un sur les Sims 1, donc j'imagine qu'il y en avait un sur les Sims 3. Mais ça, moi c'est un truc que j'ai jamais testé. Et après université, j'aime pas trop. Moi je sais que sur les Sims 2, c'était. Je trouvais que c'était trop long l'université dans les Sims 2, je m'ennuyais trop vite en fait. Un ou deux semestres, ça aurait été suffisant, mais là, y'a... Oh, mais y'a Kiki! Attends, on n'avait pas dit qu'on devait le faire tromper avec qui? Avec Akito? J'ai un doute, les gars. C'était avec qui qu'on devait faire... qu'Akito, il devait tromper réponse? Charlotte? Je vais immortaliser ce moment où Théo vient d'avouer qu'il écoutait Titanic. Ouh là là! Je crois que tu es foutu. Ceci est ancré dans le marbre, maintenant, Théo. Ça va être un petit peu honteux, c'est tout. Avec Anna. Ah oui, avec Anna. Merci beaucoup, ma petite Alizée. Bon, les filles, on va les faire rentrer parce que Bichette peut cher à son bord. Il chante bien, Kiki, hein, quand même. En même temps, réponse, elle a un petit micro à la maison. Donc, les filles, elles sont... Elles sont juste au bord du gouffre. Nyeh. Pénal, c'était long cette journée, j'en peux plus moi. Moi je veux un lit, c'est tout ce que je demande. Allez hop! Ah, embarrassée. Sous stabilisation. Oh, je crois qu'elle s'est fait avoir avec. Avec Joyeux. Il y a de l'ambiance. Ah bah tu sais, avec un kiki, hein. Filou! Ah, t'imagines, il a quand même des enfants. Il a quand même un enfant avec sa femme et l'autre il va traîner dans les bars à 3 h du mat. Moi ça me ferait un peu bizarre. Bon, alors là, on va pas passer par quatre chemins. Oh, Kiki est déjà au lit, quoi. Je suis trop fatiguée, ouais. Allez, hop, dodo. Tu vas mourir. Charlotte, je crois que Théo, il est vénère. Je crois qu'il est vraiment vénère. Tu nous l'as énervé. Tu nous l'as énervé, là. Hop. C'est bon. C'est pris un râteau. Bah, étant donné qu'elle l'a pas trop dragué, je pense que ça passe. Hop. Prenez une petite douche. Aujourd'hui, ça va être tranquille pour les filles. Elles vont y aller mollo là. Hein. Putain, mais cet évier a pas été nettoyé? Bah, les deux. Bon cli. Voilà, oh là, t'en as besoin. Hein. Tu pues un peu à la mort. Je viens de leur envoyer un message sur Facebook. Oh, t'es trop mignonne, ma Séverine! Hop. On va ouvrir la clinique, mais on va essayer de finir un peu tôt parce que j'aimerais bien aller. On avait rencontré Dormeur dans la salle de sport. Donc je pense qu'il y a moyen on le retrouve là-bas. Cours Charlotte. Alors, on va ouvrir.
Voilà, la clinique est ouverte. Bonjour. Hop, prends année clitorette. Voilà. Bénéfice des services. Et on a plein de points d'avantage. On a 5000. Oh, je vais prendre la réduction du stress des animaux. Parce que ça, c'est souvent ce qu'on me reproche. Hop, voilà. Maintenant, on est pauvre dans les points d'action. La Caroline, elle est fatiguée, hein. Cli, t'as faim? Oh, bah là, j'ai surtout envie de me faire un petit pipi. Caroline est déjà blasée. C'est trop ça. Sinon, ta journée. Bah, du coup, j'ai commencé à 8h ce matin. Je termine à 15h30. Je suis allée au commissariat. Évidemment, on s'était planté dans la route parce qu'on pensait que c'était plus haut que dans la rue. Bref, toute une histoire. On est allé au commissariat. Je suis rentrée. J'ai fait un peu toute la liste des trucs que je devais faire. J'ai mis en ligne mes petits articles parce que je ne l'ai pas fait hier parce que je suis une grosse feignasse. Et puis, hop, s'il vous plaît, madame. Et puis voilà, c'est un peu le tour. Si j'ai sorti le chapitre de Nora, hop, il faut que j'écrive ce soir. Vraiment. Et voilà. C'est un peu le tour de ma journée, c'est assez vite, hein. Allez. Oula! Il est tout vénère. Regardez-le, cette pauvre bête. Oh, bah c'est elle, elle est vénère aussi. Bon, on n'a pas de client, là? Ah non, hein. Dis donc, on a trois personnes qui travaillent pour rien, là. Cli, va te former à autre chose. Je te vois bien t'entraîner à programmer, toi. En plus, elle a un cerveau exceptionnel. On n'a rien fait encore. Cerveau exceptionnel, c'est pas trop ça. Au commissariat, j'ai raté vraiment des trucs. Oh oui, tout le début. Oublie de lui donner régulièrement des formations. Elle sera plus réactive pour les visites après quand elle aura le niveau 10 en compétences, charisme et vitaux. Ok, très bien. Donc il faut lui donner des. En fait, il faut spammer les formations, quoi. Il faut en faire tous les soirs, en gros. C'est ce que tu es en train de me dire. Ah non, allez, s'il te plaît. La Caro, là. C'est avec qui qu'elle a. Ah bah non. Hop. Allez, Cli! Hop. Examen. Respectez les oreilles. Écoutez le cœur. Oh là, il est vénère au raccoon derrière. Regardez ce petit enfoiré. Tu peux en faire plusieurs dans la journée, faut juste attendre quelques heures. Ok, je note. Examen, inspecter la fourrure, inspecter la température. Examiner la gueule. Vérifie que Cli-Cli, c'est bon. Elle a pratiquement tout fait. Elle le fait trop vite, Cli. On va faire calmer l'animal. C'est bon, la Cli, elle a trouvé. Traitement guérit tout. J'étais obligée d'en acheter un disque dur, j'ai tout perdu, même ton bad challenge. Oh non, c'est trop triste. C'est que c'est un budget d'avoir une Caroline dans sa clinique. Mais c'est tellement un budget! Salut ma Stella, désolée du retard, j'étais chez le kiné. Oh, je ne suis jamais chez le kiné, mais de tout ce qu'on me raconte, à chaque fois, ça a l'air vraiment épuisant. Genre, il y a plein de monde qui me dit quand tu sors du kiné, t'es super fatiguée après. Hop, c'est bon mon petit. Hop, accueillir un patient. Un virus est malade, je répète, un virus est malade. Ah, ça vous fait toujours autant rire. Hein. On lui a bien choisi son nom quand même, je pense. L'un des meilleurs. Hop. C'est vrai qu'à côté, Laura, comment elle le rappelle, elle le termine super vite. C'est chaud. Raccoon, notre petit thug. Mais c'est tellement ça! Allez, mon petit, on monte. Oh. Et en plus, il a une vieille tête. Les petits chiens comme ça. Je trouve qu'ils ont des têtes un peu moches. Ça me fait trop marrer. Regardez-moi cette pauvre bête. La Caro, elle a terminé là?
On va lui faire prendre une formation. Évaluation 4 étoiles sur 5. On les avait pas déjà les 4 étoiles. Gérer Caroline. Payer la formation standard. Voilà, on va l'améliorer. Traitement. Et bim. C'est fait, madame. Une formation à l'extérieur, si tu auras une course de sable, ne dis pas, je veux que ce soit une surprise. T'inquiète, Caro. On gère. Salut Océane, comment tu vas? Hop. Oh! Oh bah c'est sushi! Bah ça c'est ça d'avoir des petits bébés là, de fricoter avec n'importe qui. Après tu chopes une maladie des pieds. La Caro, on sent le mépris dans ta voix. Bah ouais, mais elle sert à rien, elle me coûte tellement de thunes celle-là. Hop. Oh, c'est Gringrin? Merci maman. C'était inutile, on s'est dit ah Gringrin. C'est dur le kiné, t'as plein d'exercices, c'est épuisant. Moi j'aimerais bien juste avoir un kiné. En fait il me faudrait un masseur parce que j'ai tout le temps mal aux épaules moi. Ça c'est un truc, j'aimerais bien. Un jour quand je serai riche, j'aurai un masseur personnel. En attendant, on fait ça. Allez Soussou! Allez Sushi! Allez mon petit! Hasta la vista! Et il est 15h, on va bientôt fermer madame. Hein, tu vas voir, je vais dire on va bientôt fermer. Je vais me dire oh non, on reste un petit peu long, un peu plus, on finit à 16h. Et va y avoir. Il va y avoir quelqu'un. Ils vont tous arriver en même temps. Parce que là, c'est pas l'émeute aujourd'hui quand même. Hein. Ça va, j'ai eu mon appareil dentaire. Oh, tu vas voir. Le pire, c'est au début. Oh, le lendemain, quand tu sais, ils ont resserré les fils. Quand on entend un appareil dentaire et qu'ils resserrent les fils. Là. Oh punaise, mazette, ça fait mal. Oh punaise. Tu manges un peu mou, hein. Oh, atteint le niveau 7 de la compétence. GG. Hop, accueillir un patient. Je vais après. Traitement, faire une piqûre. Hop, Cooper n'est pas comme d'habitude. J'essaye de faire en sorte que la Caro elle prenne personne. Madame, accueillir un patient. Vite, Laura! Dépêche-toi parce qu'on va être bloqué à cause de la connasse là. Hop. Cette tête de chien qu'il a, celui-là, il me fait bader. Hop, prendre la température parce qu'il a pas une température normale et on va faire écouter la respiration. On va même faire écouter le cœur. Hop, voilà. Ah bah on a déjà tout trouvé. C'est beau. Examen, inspection fourrure, inspection température, traitement. Spray désinfectant. Empêcher l'arrivée de nouveaux clients. On y va! Tu manges de la soupe en rentrant chez l'orthodontiste. Mais oui, c'est tellement ça! Chassa n'a jamais eu besoin d'un appareil dentaire. Bah, tant mieux pour tes parents. Hein. Ils ont fait beaucoup d'économies. Moi, pour ma part, j'en ai eu besoin. J'avais vraiment les dents dans un état pas possible. C'est un peu le chantier. Qui est le chien qui a bégère, là? Hop, voilà. Là, Laura, elle a trouvé traitement. Bon, Caro, on peut encore te faire un truc ou pas, là? On peut plus payer la formation pour l'instant. Faut pas déconner non plus. Hop! Eh ben, on est bon, je crois. Hein. On a fait combien aujourd'hui? On a pas fait beaucoup. Hop! Bon, ça va mieux. Et là, on fait fermer. Point fort niveau de stress, rapport qualité-prix. Et ça va. L'hôtel, toujours charme 7, bricolage 6, veto 6. Franchement, niveau 6, Laura, elle est carrément plus rapide en étant carrément... Allez, les enfants. Non mais Mimiche, tranquille, elle s'est installée là. Hein. Et nous, on va bouger à la salle de sport pour essayer de retrouver notre petite dormito. J'ai vraiment envie qu'elle sorte avec lui. Elle est vraiment trop... La dégaine pour sortir avec dormeur, quoi.
sont faites ensemble. C'est tellement le couple un peu post-bad, tu vois, t'es un peu obligé. Hop. Hop. Bon allez, je go au McDo et programme de ce soir. Finir Stranger Things pour finir le week-end. En beauté. Tchuss. Des gros bisous à toi, Max. Alors! De sport, de sport. Brise vivifiante. Ça a été ta journée? Oui, ma petite châle. Par contre, Théo, tu ne supprimes pas les messages de Charlotte parce que t'es un rageux. Merci. Allez, on est parti. On est. Oh, punaise, ma zette! La place ici, elle fait toujours gigantesque et j'y vais jamais. Du coup, à chaque fois, je vois wow! Sublime, ma chérie, sublime. J'aime pas trop cette salle de sport, je la trouve bizarrement foutue. Tu es qui? Jeanne? Elle est où, Jeanne? 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 Ça, évidemment, si vous connaissez pas le pas macho. Oh! Il y a Gringrin! Il va forcément y avoir dormeur alors. Dormeur! Il y a un terrain de basket, ça par contre c'est trop badass. J'entends le chat qui miaule. Merci Niska. Non mais Charlotte. Théo use et re-use de ses droits de modérateur. Ce n'est pas normal. Surtout parce que c'est un petit rageux. C'est tout. Et qu'il a tort. Théo le rageux. Jamais. Moi rageux, jamais. Mais non, bien sûr que non. J'ai la ref. Ça c'est trop. T'es trop fier de toi quand tu. Oh putain, il est là! Moi je suis là, en train de parler. Et il y a l'amour de notre vie qui est là! Je suis trop contente d'avoir une ref. Je suis genre. J'ai de la culture. Hey bitch! Bah qu'est-ce que t'as à miauler, toi, petite? Elle est immense la salle de sport. Bah elle est pas immense, hein. C'est juste qu'elle est sur plusieurs étages, du coup t'as l'impression. Mais en soi, il y en a d'autres, tu verras, elles sont. Elles sont un peu mémé. Oh, tu pues la croquette, toi! Oh oui, tu as mangé des croquettes, ça se sent. Attends, mais regarde-moi ce. Comment elle est bien foutue, celle-là! Repousser ses limites. Posséder deux équipements pour s'entraîner. Allez, on est parti! Demandez comment ça s'est passé. Pourquoi il est embarrassé? Mais non, il n'est pas embarrassé. C'est une conception de ton esprit. Il a maté ses seins, voilà, il est embarrassé. Je rage que sur les jeux, voyons. Bah oui, bien sûr. T'as des cacagneux, toi. Comment tu fais tout le temps pour avoir des cacagneux? Allez! Ça va bien se terminer avec Gringrin qui est là, genre. Guys! Elle est super, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Non, là, elle lui dit, c'est un canon, mec, débrouille-toi. Ah, on est face à un mur, je crois. Oh, Clicli, Clicli, elle est là comme ça. No problem. Bouge ton as, s'il te plaît. Tiens. Embrasser les mains. Prendre une peau sexy. Genre, mais. Charlotte, elle met juste un petit cœur. Le petit cœur pour dire Théo, c'est un rageux. Tu peux pas test. Théo, c'est un rageux. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à prendre une photo de ces deux-là? J'ai un doute. Mais non! Punaise, pourquoi c'est si dur de réussir à prendre une photo? Je veux juste une sympathique miniature, tu vois, un truc simple. On va faire prendre une photo. Je voudrais le truc prendre une photo. Pas partager des photos. Surtout Asmi à propos des chiens. Conversation profonde. Mais non! Elle est en train de partir parce qu'elle a faim! Attends, dans une salle de sport, il y a toujours des trucs, des petits encas là, des petits snack bars. Oh non, il n'y a pas de trucs de snack. Non! Si! It's good! S'entraîner à préparer des boissons. Alors non, on veut pas s'entraîner à préparer des boissons. On voudrait juste manger. Je crois que c'est un fail là. Bon, c'est pas grave, on va se rattraper.
Clé. Clé, elle est où là? Clé? Ah, clé, elle est. Donne pas tes sous comme ça, hein. Gringa? Gringa? On les a perdus, les gars. La perruque! Ah oui, punaise, la perruque, la perruque. Bon, de toute façon, pour 6 minutes. Et non! Oui, alors, j'en ai pas. J'ai pas eu le temps de vous en parler. Je vous avais dit dans le précédent live que, en termes de. De dons, il y avait trop de dons à 10 euros et du coup la perruque revenait trop souvent. Et c'est comme la perruque du fel, j'ai pas envie qu'elle revienne trop souvent les perruques. Du coup j'en avais parlé et il y a mon petit Martial qui m'a dit bah, pourquoi tu mettrais pas le truc à 25 euros? 25 euros c'est bien, tu vois, parce que ça reste encore possible à atteindre, mais ce serait quand même moins souvent. Parce que là, on va pas se mentir, c'est souvent quand même qu'on fait des dons. Du coup, je me dis qu'on va monter le palier de la perruque pour éviter de la revoir à chaque live. Faut que ça reste quand même un truc. Que tu vois pas tout le temps non plus, tu vois. Et ben Gray s'est barré ce con, je crois. Ah non, il est là. Hein? Hop. Plus de choix. Pourquoi y a que ça en plus de choix? Ah, oh, je crois qu'il va se barrer. Oh la bitches. L'autre a la faim mais elle veut pas là. Inviter dormeur à faire des pompes. Oh je veux faire ça. Allez. Ah en fait il les fait, je pensais qu'ils allaient les faire ensemble. Voilà la perruque maintenant. C'est vrai? On a fait 25 euros de dons? Tu blagues? Oh mon dieu. Oh punaise. Merci beaucoup. Voilà la perruque MDR. Bon, du coup, on l'avait pour 4 minutes. J'espère que ce sera les 4 minutes les plus intéressantes de ma vie. Je vais aller faire dormir les filles, surtout parce que là, elles sont claquées, bichettes. Hola! Chicas! Chico, chicas! Como está? A la casa! Alors, les filles, elles sont. Oh non, le chien, il en a foutu partout! Hop, on va nettoyer ça. Elle est toujours dégueu, flèche! C'est un truc de ouf! Non, on ne boit pas dans la flaque, on ne mendie pas de la nourriture! Hop! Oh non, j'avais pas vu. Bon, de toute façon, les filles, il faut qu'elles s'améliorent pour le truc des vétérinaires, je crois. Hop, allez, hop, on répare. Surtout que pour le cerveau exceptionnel, elle a besoin. Lancer ou améliorer une fusée 5 fois, posséder une fusée. Posséder une fusée. Ils disent ça comme si c'était normal, quoi. Dans le plus grand des cas, j'ai envie de te dire. Hop, voilà. C'est bon, j'ai eu le dernier chapitre de Nora. Pourquoi ça s'est arrêté? Je vais continuer de lire. Et parce que j'ai pas le temps. Parce que sinon, si vous sortez les chapitres. De toute façon, j'en sors un tous les 2 jours. Et déconnez pas non plus, les gars. C'est pratiquement tous les jours. Hop. Bon, elle va faire pipi en haut. Stinguette, là. Oh, il y a un truc dégueu, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'était une assiette. Birk. Nettoyer. Voilà, je crois qu'elle était bloquée dans le mur et du coup elle pouvait pas l'enlever. On aura agi comme une drogue, tu en veux toujours plus. C'est comme Yannaline, elle m'avait fait marrer sous un chapitre, elle disait ah oh, tu devrais les faire écrire les faire les chapitres plus longs comme tu le faisais avant. Tu sais, l'excuse de c'était mieux avant et genre maintenant que j'ai plus de lecture, punaise, la perruque, je l'ai mis n'importe comment. En mode, maintenant que tu as plus de vues, t'écris moins longtemps. J'ai fait. Alors en fait, je t'explique.
T'avais 1 000 vues au premier chapitre, t'en as 1 000 vues, t'as 1 000 mots avant, t'en as 1 000 maintenant. En fait, j'ai pas changé. C'est juste que des fois, il y a plus de dialogue, plus de trucs, et donc t'as l'impression. Mais ce n'est pas le cas. Clicli, elle est au bord de la fatigue. Hop, allez, dodo. Mais on aura le débat. Oh, pas de spoil, attention, je suis dangereuse. Ah, c'est le risque. Salut Lola. Oui, t'as. Oh, punaise, oui, t'arrives à la fin, c'est qu'il est déjà 1 heure, donc il va falloir qu'on arrête. Hein. Va falloir qu'on arrête. Hop. Ah, mais si, merde, 5 h du mat, elle pète la forme. Wouh! Hasta la vista, les copains. Hop. Bon, ça fait 1 heure, les enfants, il va falloir que je vous laisse. Hein. C'est triste la vie, mais c'est comme ça. J'espère que ce live vous aura plu. Merci encore du fond du cœur pour tous ceux qui auront tweeté, retweeté, envoyé un mail à OnePlus. Je vous aime. On va les niquer, ces gros bâtards là qui essayent de nous. Qui nous ont juste mis une grosse quenelle. Donc, voilà. Moi, je vais vous laisser là pour ce petit live. On se retrouve demain pour un prochain live sur les Sims 4. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très, très, très fort. J'ai Stram qui fait n'importe quoi, je crois. Va la laisser comme ça. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Ciao, ciao!